OK, maintenant, c'est vous montrer une couple d'exercices au niveau cardiovasculaire. Des jeux de jambes. On va travailler avec des cônes, des haies, des steps, échelles. Puis c'est des jeux de vitesse. Donc, on cherche beaucoup, beaucoup de l'explosion. Mais là, on va faire les mouvements, nous, d'une façon un petit peu plus lente pour bien que vous les voyez et bien les comprendre. Courir avant-arrière, on monte en courant de face. Tu vas aller au bout là-bas, avant-arrière. Maintenant, c'est le pivot. Donc, on court en traçant comme un 8 autour des cônes. En pivot. Et la dernière exercice. Excellent. On pourra la croiser. Excellent. Encore, on va chercher à faire le X dans le fond. C'est ça qui est le parcours. Le plus rapidement possible, tout en mettant toujours une main sur un cône. Excellent. Maintenant, on a installé un petit jeu. Un peu plus compliqué. Il y a un petit peu plus de cônes qui rentrent en jeu, mais par contre, vous allez toucher à peu près tous les petits mouvements qui peuvent exister dans un seul jeu, ce qui est intéressant. Prêt, Marc? Go! Fait que là, il fait d'une façon à pivot. Maintenant, il va le faire croiser. Maintenant, il va le faire side to side. Et de reculons. Excellent. Maintenant, on va travailler avec une échelle, mais une échelle peut facilement être faite avec du tape collé par terre dans le garage ou sur l'asphalte dans la cour. Il n'y a pas de problème, ça se fait bien. Avec Philippe qui va nous montrer le premier mouvement. Excellent. Un petit peu plus simple. Maintenant, à cloche-pied sur une jambe. Et on revient avec l'autre jambe. Excellent. OK. Fait que maintenant, Philippe va y aller d'une façon croisée. Excellent. En side to side. Excellent. OK. Maintenant, Philippe va montrer le mouvement intérieur-extérieur. Et Marc-Étienne, qui se trouve à monter de deux marches, descend de une, monte de deux, descend de une.
Excellent. Maintenant, on est avec des haies. Jeff, il est en train de sauter des haies, tout simplement, à cloche-pied, pieds joints, je veux dire. Et Marc-Antoine, il va passer les haies en croisée, en crossover. Excellent. Et on peut faire un petit jeu avec les haies. On fait comme un carré. On fait des sauts latéraux, sauts frontaux et sauts arrière. Excellent. OK. Maintenant, on va se servir des steps, qui est excellent. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup me servir des steps. C'est excellent pour ce qu'il y en a des jeux d'habilité au niveau des jambes. Et une intensité quand même assez élevée quand on se sert de ça. Marc-Étienne, il va faire le jogging. Excellent. Marc-Antoine, le side to side. OK. Jeff, le croisé. OK. Marc-Étienne va sauter une jambe en avant, une jambe en arrière. Parfait. Marc-Antoine va sauter également une jambe en avant, une jambe en arrière, mais avec pivot. Excellent. Jeff va sauter, lui ici, une jambe en avant, une jambe en arrière, mais il inverse. Vas-y. Excellent. Marc-Étienne va faire comme un side to side en descendant, en mettant la main sur le banc. Excellent. Marc-Antoine, lui, est plus loin un peu de son step, donc il va être obligé à faire un saut latéral, side to side, saut latéral, on en revient. Excellent. Et Jeff, il est le step entre les jambes et il saute pieds joints sur le step. Excellent. Maintenant, on va y aller avec des exercices de stabilisation avec le ballon. Développer votre équilibre. On commence un exercice plus simple. Là, Philippe, il va lever une jambe et la maintenir dans les airs. Quelques secondes. Et on passe à l'autre jambe. C'est parfait. Maintenant, Philippe, avec le ballon toujours. Je cherche à faire des fentes. Ça demande beaucoup d'équilibre. C'est parfait. Maintenant, Philippe, je cherche à maintenir la position à genoux sur le ballon. Stable possible. Excellent. Maintenant, Philippe, il va chercher à se lever debout sur le ballon. Au début, quand vous commencez cet exercice, si vous pouvez avoir une personne qui accompagne, c'est excellent. Ou se servir du mur et on cherche à se redresser le plus possible. C'est parfait. Il garde cette position quelques secondes. Et par la suite, on descend en position squat. C'est sûr qu'avec le temps, on n'a plus besoin du mur et on se tient seulement qu'en équilibre sur le ballon. C'est le but cherché. Mais ça prend du travail. Une dernière fois. Excellent.